Les modalités de gouvernance. Ok. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu viens faire ici au FSM? Eh bien, je m'appelle Elisabeth, je suis italienne, j'habite à Bruxelles. En fait, j'habite entre Bruxelles et la France et je suis au Forum social mondial ici à Montréal pour participer à la fois à l'espace Commons et à d'autres activités liées à d'autres thématiques avec une organisation qui s'appelle Transform. Et donc, je me balade entre l'espace Commons et l'espace principal de Forum social mondial pour participer à différentes activités. Alors toi, tu viens d'Europe et tu as participé à l'émergence de l'intergroupe européen des communs parlementaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de cet intergroupe? Alors, c'est une histoire assez intéressante parce que ça a suivi un parcours un peu particulier. C'est-à-dire, d'abord, pour expliquer de quoi il s'agit, parce que pas forcément tout le public connaît un peu le système. À l'intérieur du Parlement européen, il y a la possibilité pour des parlementaires qui viennent de groupes parlementaires différents, donc des partis politiques à l'échelle européenne différents, de créer des groupes d'intérêt qui sont appelés intergroupes au sein du Parlement. Et ça peut toucher de sujets totalement variés. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du Parlement. L'histoire de comment ça a été créé, l'intergroupe sur le Commons, commence en 2012. En 2012, European Alternatives, qui est une organisation basée en Europe dans différents pays, il y a aussi un groupe qui est basé à Paris. Donc les groupes parisiens avaient... ils ont organisé des différents forums citoyens dans différents pays en Europe. Et le forum citoyen qui a été organisé à Paris portait sur les Commons. À l'époque, j'ai collaboré comme bénévole avec European Alternatives et ils avaient intérêt à monter un débat sur les Commons du point de vue de la question de l'accès à l'eau. Moi, je fais de la recherche, mais je suis aussi activiste dans le domaine de l'eau, du droit à l'eau. Et donc, je leur donnais un coup de main, vu que le sujet de Commons, ça m'intéressait, celui de l'eau également, pour monter ces forums citoyens. Donc, il y avait pas mal d'invités, surtout des gens qui font partie du réseau des activistes qui s'occupent d'eau. À la fin du forum citoyen, donc comme ça arrive souvent, les participants ont préparé un document et les contenus du document étaient les commons, c'est un sujet de plus en plus important pour les activistes à l'échelle européenne, mais il serait intéressant d'avoir une interlocution avec les institutions européennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc finalement, en rentrant à Bruxelles, un petit groupe d'entre nous habitait à Bruxelles, en réfléchissant à ce que pouvaient être les moyens les meilleurs pour créer une interlocution avec les institutions européennes, on a pensé effectivement à profiter de l'existence, la possibilité de créer des intergroupes au sein du Parlement. Donc on était deux personnes qui ont commencé à travailler ce sujet. On a commencé à contacter le parlementaire avec qui on était déjà en contact pour d'autres raisons d'activisme. C'était moi. Et un activiste espagnol qui s'appelle Pablo Sanchez, qui travaillait à l'époque pour le syndicat de services publics. Et donc, il y avait pas mal de contacts avec les parlementaires. Donc, on a commencé un travail de mise en contact avec les différents parlementaires qui ont pensé pouvaient être intéressés au sujet. Il faut dire que pour créer un intergroupe, il faut qu'il y ait un certain soutien des différents groupes parlementaires. Il faut au moins trois groupes parlementaires qui soutiennent. Et puis, il y a tout un système de négociation interne qui fait que chaque groupe peut donner une signature pour la création d'un intergroupe. Mais c'est quelque chose qui essaie toujours à négocier. Donc, on devait quand même contacter des parlementaires de différents pays et de différents groupes parlementaires. Puis en 2014, il y a eu les élections européennes, donc la nouvelle législature. Donc finalement, on a un peu changé, c'est-à-dire on a commencé à faire à contacter les candidats aux élections. Donc avant, on avait déjà constaté qu'il y avait un intérêt de la part de certains parlementaires
Puis lors des élections, les nouvelles élections en 2014, on a contacté les candidats de différents pays qui pouvaient être intéressés pour collecter leur appui, entre guillemets, à la création de l'Intergroupe. Donc après les élections, ceux qui ont été effectivement élus, on les a recontactés pour leur dire « bon, bah, vous aviez dit que vous étiez intéressés, donc là c'est le bon moment pour effectivement mettre en pratique ce que vous aviez dit, donc vous êtes intéressés au sujet ». Et donc finalement, l'intergroupe a été créé, incluant différents partis politiques, comme je disais, différents pays. Et finalement, au mois de mai 2015, il y a eu un premier lancement. Avant de reprendre le fil de l'histoire après la création de l'intergroupe, je veux bien remonter un petit peu avant parce qu'il y a deux étapes qui me semblent aussi intéressantes. D'une part, il y a eu un manifeste qui a été rédigé pour appeler à la création de cet intergroupe avant même les élections, effectivement. Comment a été généré ce manifeste? En fait, le manifeste qui a été utilisé pour faire une mobilisation de parlementaires intéressés est effectivement un document qui est sorti de la rencontre qui a eu lieu à Paris. Donc à Paris, il y a eu cette rencontre sur eau et commons. Et le document était plus vaste, donc à un moment donné du document sortant, disons que le document couvre plus en général la question de commons, même s'il fait référence explicite au cas des loups, parce que le document a été produit lors d'une rencontre qui portait sur l'eau. Et donc c'est un manifeste qui, disons, reprend certaines idées clés du débat sur les commons. Comme lors de la rencontre à Paris, il y avait pas mal de représentants italiens. Et en Italie, il y a eu un cas particulièrement important pour les activistes italiens qui est l'essai de la part d'une commission législative d'introduire dans la législation italienne une définition effective de comme on dit en italien, beni comuni. C'est une définition qui finalement n'a pas été introduite à cause d'un changement au niveau politique, mais elle a été élaborée par une commission de juristes. Donc, comme il y avait pas mal d'Italiens à l'époque dans ces forums, donc il y a même une référence à cette définition qui parle de beni comuni comme lié aux droits fondamentaux, comme lié aux changements sociaux, comme lié aussi au respect des droits des générations futures. Donc, il y a aussi une référence. Effectivement, à cause du fait que lors du Forum citoyen, il y avait une participation aussi des Italiens, aussi parce que c'était sur l'eau, mais il y avait quand même des représentants d'autres expériences de commoning. Il y avait par exemple des représentants d'un réseau d'expériences qui est très important aussi à ce moment-là en Italie, parce que c'est un réseau d'expériences qui ont occupé des espaces et qui gèrent des espaces de façon communautaire. Et donc c'est un processus qui a commencé avant cette rencontre. Donc on avait invité des représentants de ces mouvements-là, et c'est un mouvement qui s'est évolué au cours des années en Italie. Donc les manifestes ont été produits lors de cette rencontre. C'est un court test en fait, c'est assez court, et ça a été utilisé pour mobiliser les parlementaires. Donc pour répondre à la question sur le manifeste. Dans ce processus, l'eau a joué un rôle important en Italie, au niveau européen aussi, avec l'ICE sur l'eau. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce lien ou... Oui, bien sûr. C'est intéressant ce lien parce que, disons que l'eau, même dans l'imaginaire commun, entre guillemets, c'est très simple à faire la connexion, à considérer l'eau comme un bien commun, comme un common. Il faut dire qu'entre 2008 et 2014, en Europe, il y a eu quand même une mobilisation assez forte autour de la question de l'eau. Donc c'était avant le fait que l'eau a été reconnue comme droit de l'homme, droit humain, par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc qui s'est passé en 2010. Et en même temps, en Italie, en 2011, il y a eu un référendum sur l'eau qui faisait référence explicite à l'idée de l'eau comme bien commun. Bon, on dit comme bene comune en italien, bon, ça serait plutôt comme commun, mais bon. Cette référence. Et même, par exemple, les mouvements italiens, les mouvements qui s'occupaient des commons d'un autre point de vue, faisaient assez souvent référence à la mobilisation qui avait eu lieu pour le référendum, aussi parce que les juristes
dont je vais parler, qui étaient impliqués dans ce processus et qui avaient fait cette proposition de loi. Certains parmi eux, c'était des juristes qui ont aussi contribué à l'élaboration de la question du référendum. Donc il y avait quand même un réseau de gens qui travaillaient à ce sujet. Puis au niveau européen, il y a eu après la mobilisation pour l'initiative citoyenne sur l'eau comme droit humain. Et effectivement, la personne avec qui j'ai fait, je participais à cette petite mobilisation pour mettre en place un intergroupe au sein du Parlement européen, c'est à la fois le coordinateur, la personne qui était le coordinateur pour le syndicat de services publics européens de l'initiative citoyenne. Donc effectivement, il y avait toute une connexion. Est-ce que l'ICE sur l'eau a eu une influence sur les parlementaires européens, sur leur connaissance ou leur compréhension de la question des communs? Je crois que d'un certain point de vue, il peut y avoir une forte relation, c'est-à-dire qu'ils peuvent mieux comprendre certains aspects. Il faut quand même avouer que, comment dire, il y a certains parlementaires qui sont déjà bien, si ce n'est pas vraiment mobilisé, au moins conscient de la thématique, sensibilisé à la thématique. Et donc, c'est plus simple, disons que c'est plus simple de créer des relations à la fois par rapport à l'initiative citoyenne et par rapport au débat sur les commons avec quelqu'un qui est déjà sensible au sujet. C'est vrai que d'un point de vue plutôt général, l'idée de faire référence, à l'eau comme commons, ça fonctionne assez bien pour expliquer, parce que c'est d'une façon ou d'une autre relativement simple à comprendre. Et comme je le disais, il y a eu des mobilisations fortes autour de l'eau lors des derniers 5-10 ans en Europe, ça fonctionnait bien au niveau des communications. C'est vrai, par contre, que c'est bien d'élargir le plus possible le débat et de faire de façon que même ceux qui sont sensibles à la question pour ce qui concerne les ressources naturelles, comprennent aussi l'ampleur de la question dans d'autres domaines, disons. Et alors, si on revient à l'intergroupe des communs, qui est, au fond, on sait qu'un intergroupe de parlementaires européens n'a pas un grand pouvoir de décision, enfin, n'a même pas de pouvoir de décision, c'est un espace de consultation, de coopération, d'échange entre des parlementaires. En quoi c'est important pour la société civile de mobiliser ce type de groupe? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est vrai que c'est l'un des limites, pas justement par rapport aux commons, mais plus en général, l'un des limites des intergroupes, c'est que ça permet aux parlementaires d'échanger d'avis, mais s'il n'y a pas vraiment une communication en relation avec la société civile ou les autres porteurs d'intérêt pour d'autres intergroupes, plus en général, ça ne veut pas vraiment produire des effets. Donc, ce qui est important, à mon avis, par rapport à l'intergroupe sur les commons, est que, disons, il y a une double relation entre le parlementaire et la société civile. Donc, d'un côté, l'existence de l'intergroupe devrait permettre à la société civile de reconnaître des interlocuteurs, même au niveau national ou même local, donc savoir qui sont les parlementaires qui ont un intérêt à la thématique, donc savoir qui s'adresser, à la fois comme mouvement individuel, donc au niveau national, mais aussi comme mouvement à l'échelle européenne, donc comme coalition des mouvements qui s'occupent de la question de commons. Donc disons que de ce point de vue-là, les parlementaires européens peuvent représenter des interlocuteurs à qui parler pour expliquer, pour le faire mieux comprendre de quoi il s'agit, pourquoi c'est important pour la société civile. Et une fois qu'eux, ils sont déjà organisés dans un intergroupe, c'est plus simple de le cibler, de le savoir comme cible d'une communication. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect que je trouve importante aussi et que je trouve aussi encore un aspect à mieux développer dans le contexte de l'intergroupe est que c'est important à développer, mais c'est aussi relativement compliqué à développer, et que
l'idéal, quand on avait commencé à penser à cette intergroupe, l'idéal serait d'avoir les deux choses. Donc, d'un côté, la société civile qui parle avec les parlementaires, de l'autre côté aussi, les parlementaires qui sont guidés à mettre la question de commons dans d'autres débats politiques. Donc, leur fournir les outils, entre guillemets, pratiques. Donc, pas uniquement au niveau des contenus, mais vraiment pratiques au niveau juridique et de politique et juridique à l'échelle européenne pour pouvoir introduire la question des commons à l'intérieur d'autres activités qu'ils font en tant que parlementaires. Par exemple, un exemple que j'avais en tête à l'époque, c'était quand il s'agit par exemple de travailler sur l'agenda pour les cités, donc l'agenda pour les villes, le Urban Agenda, il serait bien que les parlementaires aient les outils pour pouvoir y insérer dans les documents qu'ils produisent une référence au fait, par exemple, qu'il y a des mouvements qui travaillent sur le Urban Commons. Ça, c'est juste un exemple. Sinon, quand il s'agit de faire des déclarations qui portent sur des questions d'accès aux ressources naturelles, également faire de façon que lorsque le parlementaire présente leurs amendments, parmi les différents amendments qu'ils présentent en tant que vert, en tant que parti de gauche européenne, en tant que vert, donc parce que ça vient de leur contexte politique, mais aussi, ce serait important qu'ils puissent aussi insérer dans leurs amendments des aspects liés aux commons. Mais ça, c'est un processus plus long, c'est un processus qui implique un travail de soutien, entre guillemets, même au niveau contenu, pour les parlementaires. Je pense qu'on va avoir le temps de le développer ultérieurement. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important parce que finalement, c'est là qu'à un moment donné, les parlementaires, disons, les parlementaires puissent faire de façon que le débat rentre dans la documentation officielle aussi. Dans l'histoire que tu nous racontes, là, la présence, et on sent qu'il y a une importance de l'action qui vient des pays du Sud, en particulier l'Italie et l'Espagne. Est-ce que la perception que tu en as, toi, c'est qu'il y a aussi d'autres sources ou, enfin, est-ce qu'il y a un équilibre? Le réseau alternatif, par exemple, est-ce que c'est un réseau qui est européen? Comment est-ce que c'est nourri par l'ensemble de l'Europe, ce processus-là? Moi, je trouve que, bon, il y a une explication assez logique du fait qu'il y a une participation importante qui vient du sud de l'Europe et c'est lié tout simplement à la crise économique. Donc, comme la crise économique a touché, disons, de façon plus forte, puis après, ce n'est pas forcément vrai, mais disons que la crise économique a touché la Grèce, l'Italie et l'Espagne de façon plus forte que d'autres pays d'Europe. Donc, à cause de cette situation, les activistes de différents pays, qui étaient déjà des activistes, ont développé des économies, des systèmes alternatifs pour fournir du soutien social. En Grèce, par exemple, l'exemple typique, c'est les structures auto-organisées pour la santé, ou d'autres en Espagne. C'est un peu la question de la situation liée aux personnes qui n'ont pas de logement, donc parce qu'ils ont été expulsés de leur logement à cause de la crise et du fait que les banques ont racheté leur logement. Donc c'est vrai que les gens du sud de l'Europe ont élaboré beaucoup par rapport à la question de commons, mais c'est vrai qu'il y a d'autres expériences également intéressantes et également importantes qui sont développées dans d'autres pays. Donc je trouve que c'est très important que les liens entre les différents pays se renforcent. Donc il y a des expériences très importantes aussi, pas uniquement en France, mais il y a en France, mais en Allemagne, mais aussi en Roumanie par exemple. Par exemple en Roumanie, il y a un cas célèbre qui est le cas de Roșia Montană, qui est un cas lié aux ressources naturelles. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque pays, il y a de formes de commoning qui sont différentes, qui répondent parfois à des exigences locales ou parfois juste
à un cas spécifique local. Et donc, c'est intéressant parce que quand les différents pays se mettent ensemble, les différents activistes des différents pays se mettent ensemble, ce n'est pas uniquement de différents, disons, culturels ou de contexte national, mais ceci que même le sujet spécifique de chaque expérience de communing peut être différent. Mais il y a des choses qui sont en commun. Et donc, c'est bien, c'est très intéressant de voir comme ces réseaux peuvent se renforcer et peuvent apporter des visions différentes pour faire une vision, je ne vais pas dire unique, mais une vision complexe. D'accord. On a vu aussi en Europe les progrès de la question des communs dans les villes, notamment en Espagne, avec les villes qui ont été gagnées par des listes en commun, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que de ton point de vue, il y a un progrès au sein... Enfin, est-ce que les élus, les parlementaires, élus locaux, élus nationaux dans d'autres assemblées, aujourd'hui sont plus concernés par la question des communs, ont une meilleure connaissance de la question des communs ? Je crois que les élus ont meilleure connaissance de la question des communs, ça c'est sûr. Au moins parce que la question des communs a émergé de façon plus... coordonnées, donc c'est un sujet qui est de plus en plus débattu, et en même temps parce qu'il y a des cas heureux, je dirais, où les élus exactement viennent effectivement d'une expérience d'activisme eux-mêmes. C'est par exemple, comme on le disait, le cas de Barcelone. Donc c'est assez normal que cette typologie d'élus soit plus intéressés au sujet parce que c'était déjà leur sujet avant de devenir des élus. Mais ce n'est pas uniquement dans ces cas-là, ce n'est pas uniquement quand les élus étaient des activistes du domaine qui évidemment sont plus sensibles et intéressés. Ça arrive aussi dans d'autres villes où les relations sont renforcées parce que les élus effectivement sont sensibles. Je pense par exemple à la ville de Naples où tout récemment, il y a une délibération de la mairie qui est une étape d'un processus plus long pour le faire bref en 2011, juste après le référendum. Donc, je vous avais dit, il y avait eu un référendum sur l'eau en Italie. L'un des juristes qui était impliqué dans la formulation de la question référendaire et qui était aussi dans la même commission qui avait élaboré la définition juridique des biens communs. Roberto Lucarelli. Oui, exactement, c'est Alberto Lucarelli. Donc il a eu des élections en 2011 à Naples et il a été nommé comme adjoint au maire pour la question de bien commun. Donc il y avait même on l'appelle en italien assessorato, donc il y avait un assessore, un adjoint au maire. Assessore ai beni comuni. Il y a eu tout un processus de municipalisation de services en eau à Naples et à cette époque a commencé tout un débat parce qu'il y avait des espaces occupés par des activistes qui faisaient de la nation sociale et culturelle. Et donc ça démarrait un débat avec ces activistes. Donc c'est un processus qui d'abord a porté à disons la reconnaissance entre guillemets de la part de la mairie du rôle joué par cet activiste. Et tout récemment, ça fait un mois et demi, il y a eu cette délibération de la mairie de Naples dont le texte était très intéressant parce que le texte, en fait, c'est une délibération qui concerne la gestion d'espace. Il y a d'autres cas en Italie, en Europe, où la mairie donne un espace en gestion des activistes. Dans ces cas, par contre, c'est plus intéressant parce que ça fonctionne à l'envers. Ce n'est pas la mairie qui donne un espace à des activistes, des organisations, des groupes, quoi. La mairie reconnaît, via cette délibération, qu'un certain nombre d'espaces à Naples sont de facto, sont en tant que tels, des beni comuni, parce que la communauté qui utilise cet espace, qui gère cet espace, les a construits et reconnus comme beni comuni. Et donc la mairie reconnaît que certains lieux spécifiques sont des beni comuni. Puis après, il s'occupe de comment le gérer, de comment mettre ça en règle, entre guillemets, du point de vue légal. Mais le fait même
qu'ils reconnaissent le changement de statut d'un espace qui était un espace uniquement un espace abandonné puis occupé, et que via cette reconnaissance est reconnue même au niveau officiel, donc pas uniquement par les activistes, mais même au niveau officiel, comme bene comune. Et ceci n'est pas un parcours qui vient des élus qui étaient des activistes eux-mêmes. Le maire de Naples, bon, c'est quelqu'un qui est très intéressé aux questions sociales, mais c'est pas, lui, ce n'était pas un activiste, ce n'est pas le cas d'Ada Colau, qui était une activiste elle-même. Donc, c'est vrai, les élus sont de plus en plus sensibles à la question, sont de plus en plus intéressés et conscients, et à la fois des élus qui étaient activistes eux-mêmes, mais aussi d'autres. Donc, c'est plus vaste, et ça donne aussi, je trouve, ça donne aussi des opportunités pour une vision plus large, même au niveau européen. Et là aussi, ça se reconnecte d'une façon ou d'une autre à l'intergroupe, parce que le fait qu'une ville met en place une procédure officielle qui produit ces résultats est quelque chose qui, en principe, d'autres municipalités, d'autres villes pourraient tout d'abord se convaincre de l'opportunité de le faire, et puis avoir aussi des outils pour, entre guillemets, copier les processus d'autres contextes. Donc on peut imaginer que l'espace intergroupe parlementaire européen soit un espace où se croisent ce type d'initiative qui peut féconder des politiques européennes. C'est très ambitieux, ça. Eh oui, disons que c'est très ambitieux, mais peut-être... Oui, c'est très ambitieux. D'un autre point de vue, tous les changements sociaux, tous les changements politiques sont très ambitieux. On vise le plus à haut possible, puis on voit qu'est-ce qu'on arrive à faire. Mais si on vise trop bas, on risque même de rester trop bas. Et l'idéal... Mais ça s'applique en principe à tous les intergroupes. L'idéal serait exactement ça, que l'intergroupe soit un espace où les parlementaires échangent des compétences politiques, juridiques, politiques surtout, mais même avec des effets pratiques, donc sur le plan de déclaration, de prise de position, qui utilisent de la manière la meilleure des expériences qui viennent de chaque pays d'où ces mêmes parlementaires européens viennent. Donc ça, c'est ça le principe. Donc c'est très ambitieux, décidément. Je pense que le problème de législature au niveau du Parlement européen, c'est que ça reste quand même quelque chose de très court, parce que c'est une période courte et il y a beaucoup de bureaucratie à gérer là-dedans. Donc, c'est quand même un processus qu'il faut commencer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut profiter le plus possible de l'espace qui existe. Mmh. Et pour toi, le défi aujourd'hui de la société civile pour ça, ça serait quoi? Le défi par rapport à... Pour réussir cette implémentation des communs en politique. Alors, Je vais préciser une chose. Quand je parle des opportunités qui offrent l'existence de l'intergroupe, je ne veux pas du tout dire que la société civile doit, au niveau de changement politique, se concentrer uniquement sur ce qui se passe au Parlement européen. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à l'extérieur du Parlement européen. Si on devait choisir où faire, où concentrer le plus du lobbying, de campagne, de la part de la société civile, moi je me concentrerais plutôt sur l'administration locale. Mais en même temps, je pense que créer des relations, même à l'échelle européenne, ça peut faciliter l'ampleur du débat. Et le change. Donc ça, je le précise parce que sinon, on prend le risque de se cibler, de se concentrer uniquement sur comment entrer en relation, comment monter des choses avec l'intergroupe, et on oublie que dans la réalité quotidienne des activistes,
de gens qui font du commoning, l'Europe est très loin. Ben, l'Europe, dans le sens du Parlement européen, est très loin. C'est plutôt beaucoup plus intéressant d'opérer au niveau des territoires. Mais je trouve que exactement pour ce qui est l'Europe à ce moment-là et pour la crise qui a touché l'Europe, tout ça, c'est bien en même temps de renforcer les liens entre les réseaux, entre les différents mouvements, au moins pour s'échanger des expériences et pour mettre en place des pratiques communes. Donc je trouve qu'un équilibre entre les différents niveaux, c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Ha ha ha.